Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Voilà ce que nous soufflait Baudelaire dans l'un de ses poèmes. Le 13 octobre 2023, l'astrophysicien vulgarisateur scientifique et écologiste français d'origine québécoise, Hubert Reeves, rejoignait les étoiles. C'est à partir de ce vers de Baudelaire qu'il a donné le titre « L'heure de s'enivrer, l'univers a-t-il un sens ?» à l'un de ses ouvrages. Après avoir brillamment apporté de nombreuses contributions à la science par ses recherches, Hubert Reeves a rapidement choisi la vulgarisation scientifique. Sa capacité pédagogique, couplée à sa poésie, a permis à de nombreuses personnes, dont moi-même, de découvrir et de comprendre l'univers dans lequel nous baignons. Pour rendre hommage à cet immense humaniste, je m'attarderai sur cet ouvrage qui a été une révélation, sur le sens que nous, pauvres humains, devrions donner à notre existence. Hubert Reeves est un interdisciplinaire et dans sa jeunesse a toujours refusé de voir chacun conserver ses recherches sans jamais souhaiter la mise en commun pour une meilleure compréhension. C'est dans les années 60 qu'il déménage en France avec toute sa famille pour travailler au commissariat à l'énergie atomique. Scientifique, oui, pour la recherche, mais certainement non pour l'usage qu'en fait l'être humain avec son désir de puissance. Voici la lecture du prologue de son livre, L'heure de s'enivrer. J'adore les émissions télévisées sur la vie des animaux. Le manège des vivants me fascine. Me reviennent en mémoire les images d'un combat. Deux phoques mâles se battent pour une femelle. Les coups sont durs, mais la voix off est rassurante. Ici, on ne tue pas. Dès que le sang coule, la lutte cesse. Le gagnant ne harcèle pas le perdant qui abdique. Ainsi se sélectionnent, ajoute la voix maintenant enthousiaste du biologiste, des géniteurs vigoureux, de qui naîtront de jeunes phoques sains et fringants. L'écran nous les montre, ils s'égayent sur les falaises ensoleillées blanchies d'embrun. Grâce au progrès des connaissances scientifiques, poursuit le commentateur, nous savons maintenant interpréter ces luttes apparemment si cruelles. Il faut y voir des manifestations de la sélection naturelle, le mécanisme de l'évolution des espèces, de la bactérie à l'être humain. Sur l'autre chaîne de télévision, l'ambiance est différente. C'est une rétrospective historique de la guerre 14-18. Un paysage de boue, de fils de fer barbelés, parsemé de cadavres. Ici, on tue. En longue file, des brancards sont ramenés vers les tranchées. Le commentateur parle du désespoir de ces hommes qu'on a forcés, l'arme au poing, à sortir sous le feu des mitrailleuses ennemies. Et, sur tout cela, comme une chape de plomb, l'absurdité de cette guerre inutile, interminable, qui n'a pas plus de raison de finir qu'elle n'en a eu de commencer. Question naïve. Ces beaux soldats qui marchent à la boucherie, ne sont-ils pas, comme les jeunes phoques, les enfants des mécanismes admirables de la sélection naturelle? Est-ce là le résultat de l'évolution biologique? De l'océan primitif aux tranchées du chemin des dames? Cruelle absence du commentaire rassurant de l'autre chaîne. Peut-on, comme pour les phoques, interpréter derrière les apparences? Ou bien quelque chose en route s'est-il cassé? Les enfants du hasard? Faux problème, aurait répondu une école de pensée du début de notre siècle. La réalité est fondamentalement absurde et dénuée de sens. Toute apparence du contraire est à mettre au compte d'une illusion anthropomorphique. L'être humain est le fruit du pur hasard. Ce point de vue paraît aujourd'hui un peu simpliste. Les acquis des sciences contemporaines, en particulier de l'astronomie, nous invitent à repenser le problème. La notion d'évolution, introduite au départ par la biologie,
envahit maintenant tout le discours scientifique. Depuis 15 milliards d'années, la matière évolue vers des états d'organisation, de complexité, de performance de plus en plus élevés. À partir du chaos primordial, elle a engendré successivement les nucléons, les atomes, les molécules, les cellules et les organismes vivants. L'absurde au second degré. Tout se passe comme si, pour employer une expression imagée, l'univers était animé d'une pulsion de vie. De quoi s'agit-il exactement ? Dans les chapitres de cet ouvrage, j'essaierai de présenter d'une façon simplifiée ce que la science nous donne à comprendre de cette fièvre d'organisation matérielle. Le hasard, bien sûr, n'en est pas absent. Il y joue un rôle fondamental. Si le hasard pur est stérile, il devient fécond lorsqu'il est encadré par la nécessité. Mais de quelle nature est cette nécessité ? Je serai amené à présenter et à discuter d'une façon critique certaines notions populaires aujourd'hui. Pouvons-nous en toute rigueur parler d'un début de l'univers ou encore d'un principe anthropique qui fait de l'être humain le but de l'univers ? Que dit et que ne dit pas la science à ce sujet ? L'expression « principe de complexité » remplacerait avantageusement, à mon avis, le chauvinisme peu justifié du terme « anthropique ». Les lois naturelles, les constantes de la physique, les conditions macroscopiques universelles semblent particulièrement appropriées à l'émergence de la complexité au long des airs. La pulsion de vie est aussi une gestation de l'intelligence. C'est là que les choses se gâtent. Le passage d'une chaîne de télévision à l'autre, des beaux phoques aux beaux soldats, le démontre d'une façon assez saisissante. Depuis des millénaires, l'être humain utilise son intelligence pour préparer des armes toujours plus efficaces, toujours plus meurtrières. Avec l'avènement de la bombe atomique, avec l'escalade de l'armement nucléaire, la race humaine est passible d'extermination sans que cette menace permanente ne ralentisse en aucune façon l'accumulation des armes. Tout se passe comme si notre espèce était animée d'une pulsion de mort qui la pousse à faire le plus rapidement et le plus intelligemment possible les gestes de sa propre destruction. Au 10e chapitre, nous essaierons de démonter les mécanismes qui permettent à la matière de gravir les échelons de la complexité. Loin d'être étrangères l'une à l'autre, ces deux pulsions contradictoires nous paraîtront indissolublement mêlées. Nous sommes confrontés à une nouvelle dimension de l'absurde. Le premier degré de l'absurde est celui de Sartre et de Camus. La réalité, la vie, sont essentiellement et intégralement dépourvues de sens. Le second degré, c'est de découvrir que le principe de complexité à l'œuvre depuis 15 milliards d'années aboutit au chemin des dames ou à l'holocauste nucléaire. La réalité aurait un sens, nous replonger dans le néant. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais la catastrophe n'est pas inévitable. Le sort du sens est entre nos mains. L'étude des mécanismes de la complexité est riche d'enseignements. Je présente à la fin de ce livre quelques réflexions toutes personnelles issues de cette analyse. De multiples façons, elles répètent toutes la même chose. Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de la vivre avec passion, l'éveil de la jubilation et, je crois, l'antidote le plus efficace contre l'absurde à tous les degrés. Ainsi, cet ouvrage est composé de quatre parties, pulsion de mort, pulsion de vie, péché originel et une note d'espoir. Je vous conseille vivement de le lire, car comprendre le principe de complexité, se laisser porter par la poésie de notre univers pour mieux appréhender la poésie et la jubilation de notre vie sur Terre avec les autres, humains et non humains, voilà le message clé qu'Hubert Reeves nous a légué. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois le Green, Green, absolument. Green, Green, Green.